Whole crew, two up, go. One. Anna! Félicitations, chaque personne qui le casse la première fois doit le garder. Alors félicitations. Je suis pas sûre que ce soit. Allez, on repart. Je maîtrise pas ma force, hein, je crois. Voulez-vous faire la course contre nous? Dans quel sens? Ok, bon, on va faire une course, mais ces gars-là rament vraiment vite. Bon alors, on a Sacha au milieu. Alors, on va essayer de ramer bien en ligne. On est les meilleurs. Préparez-vous à ramer. Rame en l'air. Ramez. Allez, Sacha, tu peux le faire. Super boulot. On va les mettre derrière. Alors, les gars, vous avez coulé? Eh ben, on commence en fanfare, hein, cette semaine. Bienvenue dans l'Échappée Belle. Nous sommes dans le sud-ouest de l'Angleterre. Vous voyez, c'est la pointe, la grande pointe en bas à gauche de la carte. Et là, je suis à Bristol. Et ensuite, on va prendre la direction des Cornouailles, plus mystérieuses, rurales, où les légendes druidiques ont encore la vie longue. Bienvenue dans l'Échappée Belle. Pouh ! Allez, c'est parti ! Salut Naïma. Bonjour. Ça va? Très bien. Salut. J'ai un coup de main. Ouais. Ok. Merci beaucoup. C'était super. Je garde un petit souvenir de vous avec moi. It's very nice to meet you. Yeah, well rode. Il est pas croyable ce pont. Il a été inauguré dans les années 80 et il s'appelle le Perros Bridge parce qu'il a été nommé en fait après le nom d'un esclave qui appartenait à une famille très très riche à Bristol. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais Bristol, c'était une ville portuaire et elle a fondé sa richesse en fait sur le commerce triangulaire. Les bateaux partaient d'ici, ils allaient en Afrique chercher les esclaves qu'ils ensuite ils amenaient dans les Caraïbes et c'est là où ils allaient travailler sur les plantations de sucre. Et ensuite, le sucre et tous les biens qui étaient produits, le coton, le thé, le café, etc., revenaient à Bristol. En fait. Toi, qu'est-ce que tu fais ici à Bristol? Comment tu as pu devenir spécialiste de l'histoire de cette ville? Moi, je suis arrivée de Paris il y a 3 ans. Ouais. J'ai commencé à faire mes études ici et c'est vrai que je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville, quoi. Tu étudies quoi là? Alors, j'étudie sciences politiques. Et je travaille aussi pour le journal de l'université. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à connaître un peu l'histoire de la ville ou de certaines personnes. C'est parce que... Ah oui, en enquêtant dans les rues de Bristol. Il y a beaucoup d'habitants à Bristol. Vous êtes combien? 500 000 à peu près, je dirais. On est dans Clifton Village, qui est vraiment un des quartiers, j'allais dire, les plus riches de la ville. Ça abrite un peu tous les commerçants prospères qui ont fait leur fortune sur le dos du commerce triangulaire et qui ont construit des maisons victoriennes un peu partout. Ah, c'est ça l'histoire de cet endroit. Exactement. Bristol a eu une histoire assez tumultueuse. D'ailleurs, la dernière en date, c'était en 2011, quand il y a eu des émeutes à Stokescroft. Mais ça fait partie vraiment de l'histoire de la ville, en fait. C'est une ville de contraste et une ville contestataire, un peu. C'est génial, hein? On a la vue sur tout le toute la vallée de Bristol. Ouais.
et le Southwest. Et vers là, c'est les Cornouailles. Exactement. C'est par là-bas. Fin gourmet, le français n'a a priori guère d'appétit pour les mets anglais. Selon Voltaire, en France, nous avons 300 sauces et 3 religions. En Angleterre, ils ont 3 sauces et 300 religions. Pourtant, il se dit que l'Angleterre veut revisiter ses classiques. Comme les pies, sorte de tourte salée. Alors, le palais français pourrait-il se délecter chez les Anglais? Une paille tannique au poisson ou la paille du trèfle irlandais à la Guinness? Les pies, c'est plutôt un plat traditionnel anglais. Avant, c'était plutôt un plat de classe populaire, avec de la viande bon marché dans une pâte. Franchement, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une paille tannique, s'il vous plaît? On sert avec des petits pois à la menthe écrasée. Très anglais. De la gravy, c'est du vin rouge avec des oignons. On ajoute des échalotes croustillantes. Et enfin, du cheddar anglais. Merci, au revoir. Merci. Les Anglais veulent se débarrasser du mythe de la pire cuisine du monde. On a fait du chemin. La cuisine s'est bien améliorée. Le couvert est dressé. Mais pour satisfaire les gastronomes d'outre-Manche, l'assiette doit avoir le goût de l'authentique ou ils en feraient tout un fromage. Puisque la campagne entoure Bristol, le sud-ouest a-t-il la saveur du terroir? La révolution industrielle n'est jamais vraiment arrivée ici. L'agriculture était tellement développée, donc ici, les gens ont des liens plus forts avec la campagne. Il y a 100 ans, tous les fermiers du Somerset faisaient leur cheddar. Le marché de Londres était bien trop loin pour vendre le lait. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient 400 producteurs. Après-guerre, seuls 20 ont repris l'affinage. On travaille notre cheddar de la même façon qu'il y a 100 ans, quand mon grand-père a acheté cette ferme. Et c'est vraiment la passion, le caractère de la région du Somerset pour moi. Dans les années 70 et 80, le cheddar industriel envahit les tables. À cause de ça, la réputation du cheddar n'a cessé de se dégrader. Pourtant, nous étions quelques-uns, pas très nombreux, à continuer de faire du cheddar digne de ce nom. Mais nous étions oubliés. Grâce à l'augmentation des émissions de cuisine, avec des chefs connus à la télé, les gens s'intéressent de nouveau à la qualité des produits, à la vérité du goût. Le palais français peut se rassurer. La campagne anglaise donne au cheddar un goût de Cantal, parfait casse-croûte sur le pouce. D'ailleurs, quelle saveur peut bien avoir le jambon beurre des Anglais? Quand vous commandez, est-ce que je peux vous demander de faire une file d'attente sur la gauche, s'il vous plaît? Sur les côtes de la Cornouaille, on devrait pouvoir goûter le snack préféré des Anglais. Haddock, les calamars arrivent. Les fish and chips sont sûrement le plat le plus populaire en Angleterre, après bien sûr une sympathique tasse de thé. Avant, les fish and chips étaient très gras, servis dans du vieux papier journal. Aujourd'hui, les gens veulent plus, ils veulent du poisson frais. Et ici, il est juste sur le pas de notre porte. Haddock, merlu, lotte, Saint-Pierre, filet à l'anglaise. On arrive au World Memorial Building, oh là là. Qui est vraiment un des bâtiments clés, je pense, de l'université. Non, mais c'est pas une université, c'est une cathédrale. Ouais, c'est vraiment très beau. Et donc c'est là où se trouve la faculté de droit, et c'est là aussi où on fait toutes les grandes cérémonies de fin d'année. C'est beau, hein. C'est vrai que ça, c'est très anglais ici. Hein. Oh là là. On vous fait pas étudier dans n'importe quel cadre. Non. Je sais pas si on peut jeter un coup d'œil. On se croirait vraiment dans Harry Potter. Ouais.
c'est exactement ça. Donc c'est ici, en fait, à la fin de l'année, que se passent les cérémonies de graduation. Remise des diplômes. Exactement, de remise des diplômes, et tout le monde est habillé, tu vois, dans les couleurs de l'université, on jette les chapeaux. Comme dans les films. Exactement, comme dans les films. C'est magnifique. C'est un cadre incroyable, ces vieilles pierres là, on a vraiment l'impression d'être dans une abbaye ou... Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est un des bâtiments les plus vieux de l'université, je crois qu'il date du 18e siècle. Ça c'est vraiment l'architecture gothique. La bibliothèque anglaise typique. C'est super, ouais, étudier ici toute la journée. C'est génial. Oh, allez, on ressort discrètement. Bon, alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour le dernier numéro qui a eu de très bons retours. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, mais je le redis pour les autres. C'est ça alors, c'est ça notre journal. Voilà, c'est bien. C'est épais, hein, quand même. Et on publie toutes les deux semaines à peu près. Ouais. Là, je t'ai amené en fait en conférence de rédaction. Et moi, je m'occupe d'une des sections qui s'appelle Features et qui est un peu le genre de reportage approfondi en fait. Et pour le prochain numéro ? Donc, cette semaine, nous allons nous pencher sur l'art de rue à Bristol. Et je pensais inviter un artiste. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un pour couvrir ça. J'espère pouvoir montrer la relation de la ville avec l'art de rue. Bien, très bien, très bon travail. C'est une vraie tradition à l'université anglaise, ça fait partie de la culture. Oui, alors c'est vraiment une tradition, c'est-à-dire que chaque grande université en Angleterre a son journal universitaire et il y a énormément en fait, de compétitions entre les différentes universités pour qui a le meilleur coverage des histoires et c'est vraiment très très anglais. C'est vraiment, ça fait partie de la culture totalement. Quoi. Ah, mais c'est pas de la blague quoi, on va vraiment s'y investir comme des pros. Oui, exactement. Ça se colore par ici, là. Toutes les façades sont peintures lurées. Exact. Donc là, si tu veux, on arrive dans Stokescroft, qui est vraiment mon quartier préféré de Bristol. On est au cœur de la culture urbaine, c'est recouvert de graffiti partout. Il y a énormément de bâtiments dans ce quartier qui ont été désaffectés et qui ont été réappropriés par des artistes. Et en fait, ils sont devenus vraiment des lieux hyper créatifs. C'est génial. Ouais. T'as vraiment tous les styles de partout, là-bas aussi. Alors en fait, ce graphe, il a été fait par Banksy, qui est un peu le graffeur qui a popularisé ou démocratisé le street art. Et donc, tu as certainement vu peut-être certains de ces graphes dans d'autres grandes villes comme New York, Paris et Londres. Et donc, il a fait celui-là pour le jubilé de la reine d'Angleterre l'année dernière. Et je trouve qu'il est assez marrant. Il a fait une exhibition dans un musée à Bristol et ça a vraiment attiré des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est devenu un peu... un aspect du tourisme du Southwest en fait, c'est l'art de rue et le street art. Mais du coup, l'art de rue, si tu le sors de la rue et tu le mets dans un musée, c'est quand même de l'art de rue ? Il y a énormément de gens qui diraient que non, parce qu'il y a tout ce côté illégal et qui va en fait avec le style. Et c'est vrai que plus ça se démocratise, plus maintenant on prend les graphes et on les met dans les musées. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, mais... Tiens, regarde celui-là. Je vais le prendre en photo. Voilà.
derrière ses allures de lady bien comme il faut, Bristol n'est pas si sage. Dans les années 80, Londres, à seulement 2 heures, fait de l'ombre. Et Bristol refuse de se laisser étouffer. Bristol réinvente son caractère. Car au 18e, Bristol est la 2e ville du pays, avec son port imbibé de tabac et d'esclavagisme. Depuis, Bristol décline. Sa culture populaire s'est perdue. Pas même une équipe de foot comme Manchester ou Liverpool pour se faire connaître. Bristol était une ville sans cœur. Personne ne vivait dans le centre-ville. C'était une ville violente. J'ai grandi ici. Au milieu de la semaine, il y avait des gangs qui s'affrontaient dans le centre. C'était une ville négligée et bizarrement, de cette négligence est née une contre-culture. À cette époque, Richard est journaliste. Les graffitis sont qualifiés de vandalisme. Aujourd'hui, ils attirent des milliers de touristes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Bristol est l'une des villes les plus dévastées. Et la reconstruction s'est engagée il y a seulement 20 ans. Je pense que trop souvent, les gens se désintéressent des décisions prises pour leur environnement. C'est important de penser de façon indépendante et de confronter les idées. Il s'agit vraiment de reprendre les murs. Avec les années 80, la ville renaît. À l'époque, la politique autoritaire de Margaret Thatcher divise le pays. Rebelle, Bristol a une longue culture de contestation. Depuis la fin du 18e jusque dans les années 2000, contre une démolition, le racisme, l'installation d'un supermarché, Bristol s'est soulevé. Il n'y avait pas de plan à l'époque. Il y avait une énergie qui venait de la rue. Tout ce que ces gosses ont fait était illégal. J'aime cette confusion perpétuelle à Bristol. Ça inspire les nouvelles générations d'artistes et de musiciens. Que ce soit conscient ou que dorénavant cela fasse partie de l'identité de cette ville, ce conflit et cette confusion. À la fin des années 50, Bekele et Dennison sont arrivés de Jamaïque avec leurs parents. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne accueille les travailleurs du Commonwealth afin de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Ils s'installent à Saint-Paul, le quartier afro-caribéen. Le reggae est une musique militante. Une musique de rébellion. Donc, quand la classe ouvrière blanche de Bristol, mécontente de sa situation économique, a voulu s'exprimer, le reggae était le meilleur moyen de véhiculer leur message. Et ils l'ont fait. De sa main de fer, Miss Maggie oblige les clubs à fermer tôt, trop tôt pour la jeunesse touchée par le chômage. Alors, Bristol vibre dans les soirées clandestines, les free parties. But one of these days I'm gonna speak my mind. I've been a working so hard, never get a look in. I've been a working so hard. Quand les jeunes ont voulu leur propre expression, ils ont créé une nouvelle musique. Un mélange de reggae et de Motown venu des US. Et ils ont créé le trip-hop qui aujourd'hui est connu dans le monde entier comme le Bristol Sound. We'll also be taking a look at the world of comedy after the news at 1. Well, unbelievably, Anthony Deck are at number 1 in the iTunes chart.
encore un joint. Bonjour. Hello. Julien. Bonjour. 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 On est en train de transformer le meilleur cidre du Somerset en eau de vie de pomme. 70% d'alcool. Ensuite, on le met en cave pour le faire vieillir et il devient du brandy de pomme. Mais le brandy, qu'est-ce que c'est exactement ? Le brandy, c'est de l'eau de vie vieillie comme le cognac ou l'armagnac. Ce sont des brandy. En France, vous appelez le brandy de pomme le calvados. En Angleterre, on l'appelle le Somerset. Et comment ça marche exactement, là, toute cette ferraille ? Le cidre entre par le haut, il circule par ici pour être condensé. Et il traverse tout ça pour couler tranquillement dans le bocal. Mais tu sais, la distillation est un mystère. Et le mystère est important, car c'est lui qui est à l'origine de ce que les Anglais appellent le mystique. Je ne comprends pas exactement où est l'aspect mystique. Pour moi, c'est juste une distillerie classique, disons. Cela dépend où tu caches ta poésie, la poésie de ton âme. En Angleterre, où tout est hyper industrialisé, voir cette machine produire un alcool si raffiné, c'est mystique. Et les pommes que vous utilisez pour fabriquer le cidre et le brandy sont des pommes spéciales ? Ici, il y a 40 variétés de pommes différentes. Et le cœur de notre savoir-faire traditionnel, c'est de savoir mélanger ces différentes variétés pour obtenir le cidre que l'on veut. Ça, c'est quoi ? What's that ? That's a seal. Ce sont des scellés. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, alors ? Je dis pourquoi nous sommes ici. Pour montrer à Sacha les caves. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre cave à n'importe quel moment ? Non, il y a une caméra pour surveiller les visiteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on nous regarde pour vérifier que l'on agit de manière responsable. Il y a beaucoup de marchandises ici, et le gouvernement aime bien garder un œil dessus. Ça, c'est du tire-bouchon, hein. Tim, c'est le responsable de la cave, c'est ça ? Oui, Tim est chargé de surveiller le bon comportement des gens dans la cave. Si tu te tiens mal, il sera très en colère. Mais sinon, il suit le vieillissement du brandy. Alors aujourd'hui, on goûte un brandy de 10 ans d'âge. Il a une belle couleur. Il est fruité, profond, doux. Ça sent la vanille. Tiens, mon ami, dis-moi ce que tu en penses de ce 10 ans d'âge. Oui, il est charmant. Il est prêt à être mis en bouteille. Formidable. Très chic. Une main jaillit d'un lac et tendit Excalibur au roi Arthur, ici, à Glastonbury. Ces terres étaient celles de Summer Country, le pays de l'été, car tout le reste de l'année, les pâturages étaient ensevelis sous les eaux. Tenons-nous les mains. En ce lieu sacré, en ce moment sacré, marquons cette transition. La lumière de la terre, un premier pas vers l'été. J'implore l'air pur. Nous appelons les pouvoirs de l'Est. La porte du Sud est maintenant ouverte. La porte de l'Ouest
est maintenant ouverte. J'appelle les pouvoirs du Nord. La porte du Nord est ouverte. Ils sont apiculteurs, gérants de chambres d'hôtes et travailleurs sociaux. Au pied de la tour de Glastonbury, aujourd'hui, ils sont druides et célèbrent l'équinoxe de printemps. Les druides ont une tradition de connexion à la terre, à l'esprit du lieu. La terre est la mer, notre mère nourricière. Un œuf parfait. J'offre aux ancêtres de ce lieu cet œuf, symbole de renaissance. À cette période, le jour et la nuit sont égaux. À partir de cet instant précis, les jours vont être plus longs que les nuits. La terre revient à la vie. Nature sacrée et célébrée. Glastonbury serait au croisement des lignes d'énergie de la terre. Magique, mythique, mystique. La ville se dédie au paganisme, les croyances qui placent le divin en la nature. Glastonbury exerce son pouvoir et attire de nouveaux habitants et pèlerins. Denise est chercheuse en théologie. C'est relativement récent, depuis la fin des années 60, le début des années 70, avec le mouvement hippie. Je me rappelle une époque où à Glastonbury, sur les portes des magasins, il y avait écrit « pas de hippies ». Denise constate que les 13-25 ans se tournent de plus en plus vers les paganismes. Car la jeunesse, plus attentive aux problématiques écologiques, s'inquiète pour l'avenir de la planète. Dans la plupart des rituels, il s'agit de se donner du contrôle sur les choses. Une sorcière, par exemple, est un symbole très puissant. Une femme forte, attirante pour les jeunes femmes qui ne trouvent pas, par exemple, leur place dans les religions traditionnelles. À Glastonbury, il n'est pas inhabituel de qualifier les locaux de glastoniens et les nouveaux arrivants en quête de spiritualité d'avaloniens. Au sud-ouest, nous appelons Rhiannon, grande déesse de l'amour et de la sensualité. Nous appelons le feu de la Kundalini en cette période. Ton énergie se déplace en nous. Katinka et Sakara célèbrent l'équinoxe de printemps. Elles sont prêtresses au temple de la Lady d'Avalon. Peuplée de prophétesses, l'île d'Avalon, cimetière sacré, est mentionnée dans les romans de la Table Ronde. Avalon, c'est le cœur. C'est un monde sur une autre terre qui se superpose à la nôtre. Donc, une des entrées pour atteindre Avalon, cette terre féerique, cet autre monde, est par Glastonbury. Bonjour, je peux vous aider ? Un bouquet, s'il vous plaît. Je vais les utiliser pour ma célébration d'équinoxe cet après-midi. Jackie organise des mariages païens et travaille aussi dans une prison de Bristol. Comme un aumônier, elle accompagne les prisonniers qui vénèrent la nature comme elle. Je suis une sorcière depuis maintenant 30 ans. Je suis venue ici pour trouver cette spiritualité. Je suis venue ici apprendre et trouver quelque chose que je sentais en moi. Face à la tour de Glastonbury, l'arbre sacré. C'est ici que l'oncle du Christ aurait planté son bâton après la crucifixion. À Glastonbury, il aurait appris des druides et introduit la chrétienté en Europe. Cette colline est aussi sacrée pour Jackie. Pour le Lord et la Lady, je vous donne ceci. Garde-nous vifs et remplis nos estomacs. Buvez ceci. Ici, à Glastonbury, une conversation normale dans un café peut-être au sujet de la magie de la lune, ou des dieux et des déesses, ou des rituels que l'on a fait la nuit dernière. Il peut s'agir de toutes sortes de croyances. C'est la vie quotidienne de tous les jours ici. À Noël, la reine reçoit toujours la fleur sacrée de Glastonbury. Et Kate en avait dans son bouquet lors de ses noces royales. Thank you.
morning. Comme tu peux voir, j'étais en train de cirer mes bottes. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait dans une cuisine. Je devrais plutôt préparer le petit déjeuner. Je m'occupe de ton petit déjeuner. Je te fais des œufs frits. Yes, yes. Bien, c'est parti. Vous vous préparez à aller travailler dans la ferme ? Oui, on va sortir dans quelques minutes et se mettre au travail. Mais la météo va nous obliger à revoir notre planning, je le crains. Il pleut beaucoup trop aujourd'hui. Ici, vous travaillez tous en famille, chacun a un rôle différent dans la ferme ? Oui, c'est à peu près ça, puisque mes frères et moi sommes associés dans cette ferme. Les fils de mes frères, mes neveux en fait, travaillent ici. Mes deux fils également, nous avons chacun des rôles différents. Et vous voyez sur ce tableau comment on se répartit les tâches. Et il y en a un paquet aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le contrôle vétérinaire. Elle arrive à 11h30. Ah, ils sont trop drôles. Lassie. Elle est dingue de tes chaussures. Elle est dingue. Viens, abritons-nous ici. On sera moins mouillés. Salut tout le monde. Salut les garçons. Et ça, c'est quoi comme espèce de vache? Ce sont des Aberdeen Angus qui viennent d'Écosse. Beaucoup de fermiers les élèvent car leur viande est excellente. Ah, the other way. C'est parti. C'est bon. Qu'est-ce que vous vérifiez ? Nous leur avons injecté un produit il y a quelques jours pour le test de la tuberculose. Et aujourd'hui, je contrôle sur la peau qu'il n'y ait pas de réaction allergique. Ce contrôle est obligatoire. En cas de réaction positive, on ne peut pas les vendre. Et là, c'est bon ? Jusqu'ici, tout va bien. Allez, c'est bon. Hey, Coco. Gentille fille. Ces deux-là sont nés ce matin, et ces deux à 1h cette nuit. Freddy n'a pas grandi au milieu des bottes de foin. Ses parents, officiers de la Royal Navy et institutrices, l'accompagnent dans de longues études de commerce. Il y a 12 ans, Freddy portait encore le tailleur et l'attaché case à Londres.
C'est juste quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais ma famille ne voulait pas. J'ai commencé avec 5 moutons et 2 chiens. Et puis j'ai eu un autre chien. Et ce chien était vraiment un bon chien de berger, donc il fallait plus de moutons pour que le chien soit heureux. Et maintenant, j'ai 500 brebis. Freddy s'est installée un peu par hasard dans les Black Hills. Elle cherchait une ferme, ici ou ailleurs, et elle l'a trouvée dans ces collines noires que les troupeaux dessinent depuis des siècles. Allez, grimpe! Les haies quadrillent les paysages, car elles empêchent les moutons de s'enfuir. Comme celui de Freddy, à ses débuts, qui s'est retrouvé au milieu d'un mariage à l'église du village. Allez, viens. Quand il fait beau, on est au milieu des grands espaces, avec des collines à perte de vue. C'est le plaisir de vivre ici. Quand il y a du brouillard, on ne voit pas le monde. Ouais, c'est moins marrant. Venez! Vous avez l'air bien, les filles, n'est-ce pas? Il reste un mouton du troupeau originel. C'est celui-là, ici. Et c'est probablement le mouton le plus méchant que je n'ai jamais eu. Il faudrait pas le garder. Oui, toi, vilaine fille. On n'est plus que 2 bergers dans le village, alors qu'avant, tout le monde avait quelques moutons. Donc on doit s'occuper des terres qui ne sont plus entretenues. La plupart des fermiers sont à la retraite et ils n'ont pas forcément des fils pour prendre la suite. Donc on comble le manque. Depuis, Freddy s'est fondu dans les ruses locales. Toujours un mouton noir dans le troupeau. Une tête repère pour compter. C'est pour réchauffer l'agneau. Certains ont une cuisinière différente de celle-ci. Et ils mettent directement l'agneau vivant dans le four pour le réchauffer. Mais ma cuisinière le cuirait. Et je ne suis pas encore prête à le passer à la casserole. Parfait. Tu penses que tu peux arriver à faire venir le chien vers toi ? Si tu ne te tiens pas droit, tu fais peur au chien. Tu es menaçant, donc sa réaction naturelle va être de s'éloigner de toi. Ça a été dur de gagner le respect des fermiers locaux. Mais c'est en entraînant les chiens de berger que je l'ai gagné. Un des fermiers du village avait pour habitude de me regarder assis sur son tracteur derrière les haies. Et il me regardait entraîner mes jeunes chiens. Ce chien, le fermier l'a finalement adopté. Freddy, la bergère, a dû apprendre ses bases dans les livres. Aujourd'hui, elle enseigne aux élèves du lycée agricole, comme Matthew. Je n'ai pas d'enfants, mais si je peux éduquer les enfants de quelqu'un d'autre et les intéresser jeunes à l'élevage, on pourra avoir une continuité du savoir-faire de cette région avec la prochaine génération. Qui n'est pas là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand j'aurai plus de chiens que de moutons, il faudra vraiment que je m'inquiète. Au pub du village, Freddy retrouve Victor, son mentor. Lorsque j'ai eu 50 moutons, c'était trop pour avoir un boulot à plein temps et faire la bergère en même temps. Donc Victor m'a dit, il te faut plus de moutons. Victor, lui, a 1200 brebis. Donc jamais je n'irai aussi loin. Je vais m'arrêter à 500. Sinon, je vais devenir une vieille aux cheveux blancs comme lui. Je t'aime. Thank you.
Oh, John. Ça, c'est de la morue. À quoi on reconnaît qu'un poisson est bien frais ? On regarde les écailles, les yeux. Tu vois les yeux ? Ils sont bien noirs. Tu peux aussi regarder les branchies, qu'elles soient bien rouges. Là, c'est un poisson de super qualité, vraiment très frais. Vente ! Ce matin, les gars, il y a eu 5 bateaux. Il y en a 4 qui ont ramené de la super sole. On va commencer à 10 livres. John, c'est le commissaire priseur. Sur sa tablette, il voit les poissons de chaque bateau et il négocie le prix de vente avec les acheteurs. 6,50 ? Yann dit OK pour ce prix. Et celui qui propose le prix le plus haut... Regarde, il bataille sur le prix et Yann n'a pas l'air content. Yann, dis-nous pourquoi t'es pas content. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, deux personnes qui renchérissent pour la même compagnie, ce n'est pas bon. D'autant que c'est mon frère. Ah, il y a votre frère qui achète en même temps. Le poisson de Brixham est reconnu en Angleterre ? Oui, il est connu partout en Europe. On a beaucoup de chance car en France, par exemple, le poisson de Brixham est connu pour sa qualité. Et du coup, ils peuvent acheter les yeux fermés et je suis très content qu'ils me fassent confiance. Les commissaires priseurs du port de Brixham, vous travaillez pour vendre le poisson des pêcheurs qui appartiennent à ce port. On travaille pour les pêcheurs. On vend le poisson qu'ils nous ont confié au meilleur prix possible. C'est pour ça que parfois la bataille est dure avec les acheteurs. On est fiers de ce qu'on fait et on doit vendre le meilleur. Donc on dit aux pêcheurs, amenez votre poisson bien frais, on veut vendre de la top qualité. On ne veut pas vendre des produits qui sentent mauvais. Je viens de me rendre compte qu'on est les deux seules femmes au marché aux poissons. J'aime voir ce que j'achète et trouver le meilleur pour mon restaurant. Je suis un des seuls restaurants à avoir une licence pour acheter le poisson ici. Nous sommes vraiment très peu à avoir ce privilège. Comment, toi, ça t'est venu, cette envie de travailler avec le poisson ? Je suis né à Londres et mes parents sont venus à Brixham quand j'étais petit. J'ai toujours aimé les poissons. En tant que gamin, j'ai toujours rêvé de participer à la vie du port. J'adore la mer, j'adore le travail autour de la mer et j'aime le poisson. Je pourrais regarder les poissons toute la journée. Je me souviens encore du temps où j'aidais les pêcheurs à décharger les bateaux, à trier les poissons. Ils me donnaient une petite pièce pour mon boulot et j'adorais faire partie de cette vie dédiée à la mer. Yeah.
Le frisson de la vague. Un Anglais a dû trouver la formule. Il devait rider le long des côtes du Devon, connues pour être les meilleurs spots du surf anglais. Les vagues étaient petites aujourd'hui, mais c'est absolument gelé. L'Angleterre a ses champions, comme Andrew. Il a appris à surfer sur cette plage. Aujourd'hui, il excelle sur les grosses vagues. Des vagues de près de 20 mètres. Les surfeurs anglais, ils sont motivés, sûrement un peu timbrés. On surfe ici toute l'année. Il fait froid. Ce n'est vraiment pas les palmiers paradisiaques. Andrew voyage pour surfer, mais il habite toujours dans le Devon. Loin des chemises hawaïennes, le surf à la campagne est devenu une véritable industrie qui permet à ces villages ruraux de survivre. À la fin de ses études, Andrew travaillait dans la boutique de celui qui aujourd'hui lui dessine ses planches. Alors, cette nouvelle planche, on va peut-être changer pour une plus fine. Je pense qu'on peut faire ça facilement. Comme tout le monde ici, j'ai commencé au fond de mon jardin en essayant de faire mes propres planches. Puis j'ai voulu trouver le moyen de me professionnaliser dans le surf. Ce fut le moment clé ici, c'était il y a 20 ans. Comme la majorité des surfeurs locaux, pour vivre de son sport, Andrew partage sa passion entre le surf et son travail de sauveteur en mer. Il s'entraîne pour l'ouverture imminente de la saison. C'est une plage pour des surfeurs intermédiaires. Ce n'est pas idéal pour des débutants. Les vagues sont petites, mais elles sont lourdes. Elles se cassent vite. Il n'y a pas beaucoup de fond et les courants sont forts. L'été, il surveille plus de 10 000 personnes. Les plages anglaises attirent les surfeurs. Alors, l'Angleterre est fière de son histoire en longboard. Le musée du surf vient d'ouvrir. Andrew y retrouve les pionniers. Car dans les années 60, ils étaient rares les aventuriers de la glisse. Comme Tim, venu s'installer ici pour le frisson de la vague. Moi, je suis arrivé ici en 1967, avec une planche, une combi faite maison, un chien au bout d'une corde et 5 euros en poche. J'ai dormi pendant 2 semaines sur la plage sous la pluie. Deux princes hawaïens surfent les premières vagues anglaises à la fin du 19e. Et jusque dans les années 60, le sport peine à se développer. Pour cause, le transport coûte cher pour atteindre les plages. C'était pour l'élite. Ils portaient des maillots de bain en laine, ils avaient des planches en bois. Ils faisaient un peu de surf, une partie de cricket et dégustaient sur la plage un sandwich au concombre avec une tasse de thé. Puis, l'esprit débridé des années 60 a déferlé sur la Grande-Bretagne. C'était incroyable. Une ambiance californienne s'est emparée des plages, les gens étaient plus libres. Agatha Christie, originaire du Devon, aurait été l'une des premières Anglaises à surfer debout. C'est là que j'ai réussi à surfer ma première vague debout. C'est mon père qui m'emmenait surfer. Il n'imaginait sûrement pas que ça irait aussi loin. À 5 ans, la fille d'Andrew surfe déjà. Enfin, quand il fait un peu plus chaud. Elle attendra un peu pour le frisson de la vague.
Kitty. Hi. How are you? Good, thank you. En plein travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, c'est une alamanda. Et nous la taillons pour qu'elle n'encombre pas le passage des visiteurs. En plus, ça apportera un peu d'ombre, parce qu'il fait assez chaud ici. Il fait combien, là, dans ce biome? Pour le moment, il fait 26,6 degrés. Mais il n'est que 8h30. Mais à midi, il fera bien dans les 30-34 degrés. La température idéale pour une forêt tropicale, quoi. Tout à fait. On ne descend pas en dessous des 18 degrés. Et on essaie de ne pas dépasser les 40. Sinon, le public ne tiendrait pas. Bon, je peux t'aider, peut-être. Oui, bien sûr. On va descendre par là. C'est quand même assez hallucinant, au beau milieu de la Cornouaille, de se retrouver comme ça dans une forêt pluviale. C'était quoi l'idée exactement de ce projet Eden à la création? L'idée de départ est venue de Tim Smith. Il a voulu créer ce jardin pour que le public puisse apprendre sur la relation des hommes avec les plantes. Et pour offrir au public cette incroyable flore, il a voyagé dans le monde entier. Il a rapporté diverses espèces venues de forêts tropicales ou méditerranéennes. On a une variété assez riche ici. Travail, c'est de planter de nouvelles espèces, de nouvelles variétés dans le dôme. Je dirais plutôt que nous faisons un travail de conservation d'espèces rares. On cherche aussi à sensibiliser les agriculteurs sur les techniques de culture, qu'ils tirent profit de nos conseils pour une meilleure exploitation. On se concentre sur la qualité écologique des cultures dans le monde, comme trouver des solutions pour certaines espèces tropicales qui sont menacées. Et on essaye toujours de rester en contact avec les populations locales. Je veux te montrer une plante très spéciale. Cette couleur est très rare. Et je pense que cela est dû aux différents animaux qui viennent la polliniser. Comme par exemple des chauves-souris. Elles viennent à l'aube ou à la tombée de la nuit, car cette couleur les attire tout particulièrement. Et ici, vous n'avez pas de chauves-souris? Non, mais je vais te montrer comment on fait sur une fleur. Alors tu vois, on utilise un petit pinceau. Je prends un peu de pollen sur une fleur femelle. Ça fait comme un petit soufflet quand on appuie dessus, il y a le pollen qui jaillit. Et je viens le déposer sur une autre fleur. Et dans la nature, ça pousse où? Aux Philippines. Elle a été découverte sur l'île de Luzon. Et cette île a été fortement menacée par la déforestation. C'est une chance de l'avoir récupérée. Et peut-être qu'un jour, on pourra la réintégrer dans son milieu naturel. Vous utilisez ce ballon d'habitude? On l'utilise de temps en temps pour tailler les arbres, mais c'est très rare. Sinon, on s'en sert pour garder un œil sur ce qui se passe dans la canopée, pour voir si un arbre est malade, par exemple. C'est assez simple à manipuler. Génial. Et je crois que je ne réalise pas à quel point ça, c'est un rêve d'enfance pour moi, de voler sous un ballon comme ça pour aller observer la canopée. Oh, fantastique. Oh, génial. J'espère que tu vas aimer. C'est une sensation incroyable de flotter au-dessus de la forêt. Allez, c'est parti. Tu vas décoller tout doucement.
Tu veux que je te ramène quelque chose d'en haut? Non, ça ira. Prends de belles photos. Oh là là, c'est cool! C'est génial! Ça y est, je viens de dépasser la cime des arbres. Ça y est, je suis au sommet de la canopée. Qu'est-ce que c'est chouette vu d'ici. Oh là là. Est-ce que j'arrive à me tourner pour aller explorer un peu de l'autre côté? Hop là. Ah ouais. Je crois que je vais rester ici encore un petit moment pour profiter de la température. Puis on se retrouvera tout à l'heure pour aller explorer le reste de la Cornouaille et la pointe la plus à l'ouest de l'Angleterre. Mais d'abord, je vous propose de faire un détour par l'une de nos routes mythiques. Cette semaine, la route du dragon, la grande traversée du Vietnam. Le réalisateur Yves Legrain-Christ commence son voyage pour le premier épisode au sud du pays, à Saïgon. Et il va prendre la direction de Nha Trang, surnommée la Côte d'Azur vietnamienne. Le mythique dragon cracheur de feu est une véritable icône dans la culture vietnamienne. Mais cette figure de légende a-t-elle toujours autant de force aujourd'hui? Devant la poussée de la modernité, quel destin les Vietnamiens vont-ils choisir? Tout abandonner face à un développement économique sauvage ou protéger leurs traditions ancestrales? Sur la route du légendaire dragon vietnamien, je pars à la découverte d'un peuple qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Saïgon. Je suis à Saïgon. Officiellement, depuis 1975, je devrais dire Ho Chi Minh Ville, mais tout le monde ici continue de dire Saïgon. Impossible de dire précisément combien il y a d'habitants à Saïgon. Entre 7 et 9 millions, selon les chiffres. À mes yeux d'Européens, la ville ressemble à un chaos insondable. Une fourmilière géante. Même traverser une rue m'apparaît comme un saut dans le vide. Mais je m'élance. Pour vous, ça fait 80 000 dong. Ok, je vous rends la monnaie. Voici votre monnaie. Merci, merci beaucoup. Allez-y, passez. Ma chérie, tu veux bien passer une serviette à cette cliente-là, s'il te plaît? Les choses ont bien changé ici. Aujourd'hui, les femmes savent bien mieux se faire belles. Mon travail n'est pas difficile. Il suffit de répondre aux désirs des clientes. Où que l'on soit, si on a de la volonté, qu'on est travailleur, on peut s'en sortir. Moi, je suis née à Saïgon. J'ai créé mon affaire ici. Grâce à ce métier, je peux subvenir aux besoins de mes parents et de mes enfants. Vous voulez la vérité? En fait, mon mari est parti aux États-Unis. J'ai appris la manucure pour le faire là-bas. Mais mon mari n'a pas fait le nécessaire pour que je puisse le rejoindre. Alors je fais ce métier ici. Être manucure, c'était un peu mon destin.
L'idéal pour se fondre dans la population, c'est le restaurant du coin de la rue. C'est là que tous les Vietnamiens se retrouvent. Celui où je m'arrête pour déjeuner ne désemplit jamais. Et c'est un signe au Vietnam. Car lorsqu'il y a du monde, c'est que c'est bon et que le prix est correct. Nous avons en moyenne 5 à 700 clients par jour. Ça n'arrête pas. Nous avons 80 employés au total. Nous avons toutes sortes de clients. Des Vietnamiens, des étrangers, des gens qui travaillent dans les bureaux et les autres. Avec toutes sortes de prix. Il y en a pour tout le monde. Saigon avant n'était pas aussi animé. Aujourd'hui, la ville s'est embellie et est devenue très vivante. Oui, la ville a bien changé. Le premier symbole de ce changement m'apparaît clairement dans les nouveaux quartiers d'affaires de Saigon. Ici, plus aucune trace du dragon. C'est une ville ultra-moderne qui est en train de naître. Le Vietnam de demain, peut-être. En 1986, le pays s'est ouvert à l'économie de marché, aux investisseurs étrangers. Le développement du Vietnam a été fulgurant. Même si ce petit miracle économique n'échappe pas à la crise. Les buildings sont sortis de terre en un clin d'œil, et depuis, plus rien. En attendant des jours meilleurs. Yao a 27 ans. Il vient de la province de Cao Mau, une province très pauvre à l'extrême sud du pays. Son destin était tracé. Fils de paysan, la tradition aurait voulu qu'il soit paysan lui-même. Il y a 2 ans, il a décidé de partir à Saigon pour vivre de sa passion. Un choix courageux et surtout rare au Vietnam. Quand j'étais enfant, il y avait un ami de la famille qui apprenait le métier de publiciste. Le professeur de cet ami, qui était peintre à Saigon, a vu que j'étais passionné par la peinture. Il a proposé de m'apprendre. Quand je suis arrivé à Saigon, tout d'abord, j'ai travaillé pour des galeries dans le centre-ville. Je suis venu ici voir un ami. J'ai bien aimé l'ambiance, donc j'ai demandé à travailler ici. Le studio Cao Vong est un atelier d'artistes atypique. Ici, on fait des tableaux sur commande. Les œuvres sont de tous les styles, de toutes les tailles, selon la volonté des clients. Ensuite, elles sont expédiées partout dans le monde. Le salaire est à peu près correct. Mais pour aider ma famille, je dois prendre des petits boulots supplémentaires. C'est dur. Si j'avais suffisamment d'argent pour vivre, tout ce que j'aimerais faire, c'est juste peindre. Selon une croyance ancienne, le peuple vietnamien est issu de l'union entre un dragon et une fée. La fée symbolise l'infini et le dragon la création. Les Vietnamiens ont fait de cette alliance la source de leur naissance. Après des journées harassantes de travail, les enfants du dragon aiment se retrouver dans des cafés, des boîtes de nuit, des restaurants. Cette ville ne s'arrête jamais.
Mon travail consiste à recruter pour le compte d'une compagnie d'assurance américaine. Et moi, je suis la première qui l'a engagée. Oui, c'est vrai, elle était la première. Aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs étrangers. Beaucoup de compagnies étrangères qui nous permettent de nous ouvrir sur le monde. C'est très intéressant pour nous, et surtout pour la jeune génération que nous sommes. Oui, et ce qui est intéressant, ce sont les perspectives d'avenir. On peut prendre un travail au bas de l'échelle et grimper dans la hiérarchie. En plus, le pays se développe tous les jours. L'avenir apparaît très intéressant et surtout très encourageant. C'est sur cette image d'une jeunesse confiante dans son avenir que je quitte la métropole du Sud. Ma prochaine destination est Nha Trang, surnommée la Côte d'Azur du Vietnam. Les deux villes ne sont séparées que de 500 km, mais vu l'état de la route et de la circulation, il me faudra un jour et demi pour couvrir la distance. J'apprends ainsi que les distances ne se comptent pas en kilomètres, mais en heures et en jours de route. En traversant la région de Binh Thuan, mon œil est attiré par des lumières étranges. Ce sont les cultures de fruits du dragon. Je prends ça comme un signe, et dans le village de Tam Duc, je m'arrête pour aller voir ça de plus près. La région s'est considérablement développée grâce à cette culture récente. Le fruit du dragon pousse lui aussi au rythme du pays. 24 heures sur 24. Une manne financière pour tous ces nouveaux cultivateurs. On cultive essentiellement les fruits du dragon. Mais avant, ici, c'était des chambris. Les fruits du dragon, c'est plus rentable. Mais à présent, on ne peut plus exploiter les fruits sur de nouvelles terres parce qu'on commence à manquer de chanderies dans notre région. Maintenant, on nous interdit de cultiver de nouveaux champs. Si on persiste, les autorités locales viendront les déraciner. Mais c'est quand même plus rentable que le riz. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour cette plante parce qu'elle fait partie de la famille des cactus. S'il y a trop d'eau, vous voyez, comme là, la feuille s'abîme, elle blanchit. En les éclairant, on obtient des fruits toute l'année. Un arbre comme celui-ci produit environ une quarantaine de fruits. Les plus petits, environ une trentaine. Le jour se lève. Nha Trang. Enfin. L'ancienne base américaine est devenue le paradis des touristes. Ironie de l'histoire, les soldats américains ont été remplacés par des touristes russes. En face de la plage, je découvre une île, c'est Vinpearl. On me raconte que l'île a été transformée en parc d'attractions par un groupe privé. Le premier symbole de la démesure de Vinpearl, c'est ce téléphérique géant. Il relie le continent à l'île. Intrigué, j'embarque. Vinpearl m'apparaît comme un anachronisme dans ce paysage sauvage. Ici, aucune trace d'un Vietnam traditionnel. Le dragon a disparu depuis bien longtemps, l'avenir appartient au tourisme de masse. Je viens de Nha Trang. Je suis née à Nha Trang. Il y a 10 ans, il n'y avait que la forêt et les montagnes. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants ici. Quelques petites maisons là-bas. Mais maintenant, comme vous voyez, le coin s'est bien développé. Notamment, vous voyez tous ces grands immeubles là-bas? C'est la zone des grands hôtels. Il n'y en avait presque pas il y a 5 ans.
Ce développement nous a permis de créer beaucoup plus de travail. Parce qu'avant, on n'avait que la pêche et on dépendait du climat et de la nature. Le tourisme nous a obligés à nous instruire davantage pour pouvoir nous adapter à ce nouveau type de travail. C'est sur ce décor de carte postale que je quitte Nha Trang. Ma prochaine destination, Hoi An, la ville des artisans. Pour couvrir la distance de 500 km, je décide de prendre un avion. C'est seulement en prenant de la hauteur que je retrouve l'idée d'un Vietnam sauvage qui, en réalité, disparaît peu à peu dans cette région. La nuit est tombée lorsque j'arrive à Hoi An. Je suis immédiatement plongé dans un festival de couleurs et de lumière. Demain, j'irai découvrir cette ville qui a la réputation d'être l'une des plus belles et surtout l'une des plus protégées du pays. Enchanté. Sir Ferrer, je suis ravi de vous rencontrer. Enchanté moi de même. Appelez-moi juste Ferrers. Inutile de dire Monsieur le Baron aujourd'hui. Même si c'est une tradition, on va mettre le protocole de côté. Donc vous êtes un lord, mais vous préférez abandonner le titre. Oui, c'est vrai. Le temps d'une conversation. Oui, c'est vrai. Ferrers is good. Ok. Et en plus aujourd'hui nous avons un mariage, alors c'est une bonne chose que vous soyez là. C'est marrant parce que du coup, vous êtes habillés normalement et eux, ils sont tous très chics. C'est un contraste assez drôle, n'est-ce pas? Je m'habille comme ça tous les jours et du coup, personne ne sait qui je suis. Vous faites croire que vous êtes peut-être le jardinier. C'est tout à fait ça, exactement. Je passe toujours pour le jardinier. Attention, il faut rester silencieux. Vous pouvez donc voir ici que nous avons une activité commerciale, notamment avec les mariages. Nous faisons en sorte que les touristes qui viennent sur la côte de Cornouailles ne manquent de rien. Nous mettons à leur disposition des gîtes, une salle de sport, un restaurant, un spa ainsi qu'un terrain de tennis. C'était pour les femmes. Pour monter à cheval. Ah oui! Autrefois, les femmes montaient à cheval en mettant leurs jambes d'un seul côté. Ah oui, d'accord. Donc il fallait se mettre comme ça. Oui, c'est ça, les deux jambes du même côté. Excellent. You need some help to remove this? Oui, oui, je veux bien. Waiting. Le pauvre magnolia est tout recouvert. C'est comme ça avec un mariage, ça laisse toujours la pagaille. C'est gentil à vous, en tout cas.
Ici, quand vos parents ont commencé à entreprendre les travaux, c'était entièrement détruit ou... Eh bien, il y avait des chevaux qui broutaient tout autour. Et l'herbe nous arrivait jusqu'au menton. Il n'y avait pas de toit sur ce bâtiment, il s'était effondré. Donc c'était un énorme chantier alors. Ah oui, ça a été un énorme travail de restauration. Et là, nous sommes en plein chantier pour les fenêtres. Si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'une partie seulement des fenêtres a été restaurée. Il reste encore les anciennes. On est toujours en train d'investir, c'est extrêmement coûteux. Mais il était important de garder la maison familiale. Nous n'avons jamais envisagé de construire une maison plus grande, parce que nous avons une histoire très ancienne. Nous voulions préserver cet héritage, une petite maison familiale. En tout cas, j'aurais jamais cru que ce serait aussi sympa de faire du rangement avec un lord. Ok, thank you. Voici l'histoire de ma famille. C'est un livre qui retrace la généalogie de ma famille. Tout commence avec Robert de Normandie en 1027. Et vous pouvez constater qu'on arrive à retracer toutes les branches jusqu'à nos jours. C'est un véritable trésor historique. C'est génial. Comment ça se fait que vous êtes l'héritier qui s'occupe de tout ça? Oui, c'est assez étonnant que ce soit tombé sur moi. Je suis en quelque sorte le garant. C'est une très grande responsabilité. Je dois veiller sur notre patrimoine et le protéger. Mais si vous faites un parallèle avec le cycle de la vie, cela fait 600 ans que ça fonctionne ainsi. Et moi, je ne fais qu'y apporter ma modeste contribution. Et je pense que ces racines sont une richesse inestimable pour mes enfants. Ici, vous pouvez voir le blason de ma famille. Dum vivimus vivamus. C'est la devise de notre famille, ce qui veut dire « laissez-nous vivre comme bon nous semble ». C'est une devise du philosophe grec Épicure. Et dans la philosophie, Épicure a plusieurs significations, mais de nos jours, c'est surtout de boire et de faire la fête. Donc je suis plutôt content, c'est très satisfaisant que la devise de ma famille soit de prendre du bon temps. C'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de me l'avoir montré, en tout cas. Okay. C'est un vrai trésor. La Cornouaille s'étire jusqu'au milieu de la mer Celtique, l'archipel des îles Scilly, les joyaux de la couronne les plus au sud de la Grande-Bretagne. Une autre Angleterre, où le printemps est en avance. Chaque année, plus d'un million de fleurs s'ouvrent dans les prairies de l'île de Sainte-Agnès. Cette culture a commencé en 1870, lorsque la Cornouaille a été reliée à Londres par le train. Un fermier des Scilly jette une boîte à chapeau à la mer, remplie de pétales. Le train la conduit au marché de Londres. La Cornouaille produit 20% des jonquilles et narcisses du monde entier. Les îles ont un lord, celui du duché de Cornouailles. C'est le prince Charles. Donc nous sommes des fermiers locataires. Et je dois bien dire que c'est un homme très plaisant. Je fais mieux de dire ça, sinon on va me couper la tête. Je m'appelle Francis Hicks. Sur Sainte-Agnès, nous sommes 11 monsieur Hicks. Nous sommes ici depuis au moins 1612. C'est un merveilleux héritage. Sainte-Agnès est l'île la plus isolée des Scilly. À la ferme laitière de l'île, c'est encore une famille de Hicks. Il y a 10 litres à peu près. Oui, 10 litres environ, c'est pas mal aujourd'hui. On ne sait pas vraiment d'où est venu le premier Hicks. On dit que c'était un marin qui est venu ici il y a 400 ans et sa famille s'est installée. Apparemment, il venait de Bristol, mais on n'est pas sûr, ce n'est que des rumeurs. Voilà. Ok, merci. Sam est né à Sainte-Agnès.
Il est parti pour l'université, mais a choisi de retrouver son île et ses 80 habitants. Tous les matins, il livre le lait, mais pas seulement. Sam alimente aussi les autres îles des Scilly. Voir le bateau du ravitaillement arriver, c'est un moment important pour notre île. On se repose vraiment beaucoup sur ce bateau, il nous garde en vie. Tu fais la queue de la sirène. J'ai trouvé des cheveux. Maddie est institutrice à Sainte-Agnès. Elle a grandi à Londres et vécu à Bristol, puis rencontré un X. Cette année, l'école compte 9 élèves. L'année prochaine, ils seront 12. On est nombreux à être venus s'installer sur l'île. Surtout des femmes qui se sont mariées avec les hommes de l'île. Ils sont plutôt mignons. Je peux imaginer que pour certains, ce doit être l'enfer de vivre ici. Il y en a qui ont essayé de s'installer, mais ils sont repartis au bout d'un an. Pour certains, ça peut rendre fou. Mais si cet endroit te touche, s'il fait battre ton cœur, tu l'as dans la peau. C'est juste un endroit de rêve pour vivre. Donner une voix à Sainte-Agnès. Pierce a créé un groupe pour raconter l'histoire de l'île. Pourtant, lui aussi s'est installé ici il y a seulement 15 ans. Dans l'histoire, les îles ont toujours été sur d'importantes routes de commerce. Il y avait des garnisons militaires, donc il y a toujours eu beaucoup de passages, de nouveaux venus. C'est une belle combinaison de sang nouveau, d'idées fraîches et de cet incroyable et puissant style de vie traditionnel. Est-ce que tu sais qui était Saint Michael ? Pas vraiment. C'était un des anges les plus importants dans la bataille du paradis. D'accord. Et comment ça se fait que un endroit qui ressemble autant au Mont Saint-Michel français s'appelle également le Mont Saint-Michael, ici, en Cornouailles? Tout a commencé par une vision des pêcheurs. Aux environs du 6e siècle, des pêcheurs ont vu une apparition de Saint-Michael. Ensuite, c'est donc devenu un lieu de pèlerinage ainsi qu'un monastère bénédictin. Et le Mont Saint-Michel, d'ailleurs, est également un monastère bénédictin. Et après la dissolution du XVIe siècle, les moines ont quitté le monastère. Et c'est devenu une habitation privée. Okay. Ici, on peut traverser pendant une certaine période de la journée, puis la marée recouvre tout. Oui, il y a deux marées par jour. Nous avons encore quelques heures pour traverser. Mais comme tu peux le voir, l'eau se rapproche de plus en plus. Fais attention, c'est plein de trous et de pièges. Ça, c'est les vraies marches à l'ancienne. Oui, il faut faire attention. Waouh! C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de travaux en ce moment. Je crois que c'est pour la chapelle. Ah,
Mont-Saint-Michel est vraiment jumelé historiquement avec le Mont-Saint-Michel. Oui, tout à fait. Ils se ressemblent beaucoup. Ce sont deux îles similaires qui dépendent de la marée. Je dirais cependant que la taille du Mont-Saint-Michel est plus grande que nous. L'architecture des bâtiments du Mont-Saint-Michel a connu des évolutions. Et ici, au Mont-Saint-Michel, nous ressemblons un peu à ce qu'il a été il y a 1200 ans. Elle a envahi le chemin, donc on est obligé de rentrer en bateau maintenant. Merci beaucoup, Ferrers, de m'avoir accompagné pour cette visite des Cornouailles. C'était un plaisir, Sacha, et j'espère que tu as passé de bons moments ici. Vous êtes mon premier sœur, en plus, que je rencontre. Et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres. On verra ça. Je sais qu'il y a des dissensions historiques entre la France et l'Angleterre, mais moi, définitivement, le peuple anglais, je l'adore. Alors je vous invite, vous aussi, à venir visiter le sud-ouest de l'Angleterre, un paysage brut, sauvage, peuplé de gens distingués, attachants et bien souvent un petit peu décalés. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans Échappée Belle. À bientôt. Ouais.